Take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever. Just get rid of these Prenez other la cassette et détruisez-la. Brûlez-la. You can't let anyone derrière. Else watch these. Yo tout le monde, c'est Kylira, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui, on se retrouve pour Amanda's The Adventure. Vous avez été nombreux à me demander ce jeu, vous m'aviez dit qu'il y avait une nouvelle mise à jour dessus avec une nouvelle cassette, du coup on va tester ça les amis sans plus tarder. Je vais lancer la cassette numéro 1, on a eu l'occasion de faire Amanda il y a déjà longtemps de ça, je sais même plus si j'ai posté la vidéo sur YouTube, on a eu l'occasion de le faire déjà et j'ai trop hâte de voir la suite, j'ai trop hâte de voir cette fameuse nouvelle cassette. Je me suis un peu renseignée parce que la cassette ne prend pas comme ça, il faut faire quelque chose de bien précis et on va découvrir ça ensemble par contre. Elle me fait flipper quand même. Donc elle est en mode, je crois, est-ce que t'aimes les pommes? Je vais lui dire non, je suis allergique. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Ah! Do you know where the store is? Où est le magasin? Bah, le magasin, techniquement, il est là. Je vais faire exprès de faire ça. Do you know where the store is? Est-ce que tu sais où est le magasin? Il est là. You know where the store is? Oh, ça dépop. Ah. Bon, bah, il est là. Du coup, yeah, il n'y en a pas 10 000. Right. Let's go. Ah, merde. We're at the store. Ah, on est à l'Apple Store. And look, there are apples. Can you see apples? Ah, elle me demande est-ce que je peux écrire Apple. Eh ben, bah, du coup, oui. J'imagine, c'est A, P, P. Alors, I don't speak English, hein, but I have quelques notions. Hein. Apple. Allez hop, ça part. Ah, je sais, là, ça en surprend plus d'un. Il y avait les crédits comme ça? C'est bizarre. Ok. Check. Maintenant, on va mettre la cassette numéro 2. J'avais pas fait gaffe à un truc. Regardez le tableau, là. Les personnes, elles sont au niveau des yeux, c'est complètement raturé. Qu'est-ce que c'est que cette bordel? Bon. Épisode 2, j'avais pas fait gaffe à ça la première fois. Je sais même pas si ça y était. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi, oh, il a dit à toi, on n'a pas le temps. I'm Lily. Et elle est arrivée. Today, we're going to get meat for grandma. But is a grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? En gros, il y a le mouton qui est arrivé. J'ai pas son nom, si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas. Et il était en mode, viens, faut qu'on parle, on n'a pas beaucoup de temps. Et là, du coup, Amanda est arrivée. Et là, elle est en mode, est-ce que tu peux nous trouver la boucherie? Et je crois que c'est pour grand-mère, elle a dit. Je crois, je suis pas sûre. Je sais pas si j'ai entendu grand-ma ou grand-pa, je sais pas. Donc, la boucherie, eh ben, on va dire que c'est à gauche. Oh, oh, la tête qui fait le pauvre, il est tout triste. Il fait des noms de la tête en mode, fais pas le con, fais pas le con. Eh ben, ça va mal finir cette histoire. Vas-y, je refais ça. Ah, mais en fait, ça te laisse vraiment pas le choix au bout d'un moment. Ah, t'as pas le choix. Bon, bah, la boucherie, elle est là. Hein. There it is. Let's go. Hello, meat man. Can you tell the meat man what we need? Donc là, elle est en mode, est-ce que tu peux dire au boucher ce dont on a besoin? Et c'est à partir de là, les amis, où la séquence va être différente de la première fois, puisque, comme je vous ai dit, je me suis renseignée. Et si on veut avoir l'autre cassette, il faut pas qu'on tape Meat, en fait. Si on tape Meat, en fait, on va avoir les cassettes, comme d'habitude, les trois cassettes de base. Sauf que si on tape Lamb... Si on tape Lamb, en fait, à plusieurs reprises, ça va débloquer une nouvelle cassette, les amis, avec un nouveau contenu. Et celle-ci, par contre, je me suis pas spoilée. Je me suis juste spoilée cette séquence, en fait, où il faut noter un mot différent. Parce que sinon, bah, on va pas y arriver. C'est très difficile de savoir. Oh, oh, la tête qu'elle fait! Elle est trop flippante! Vous avez vu la gueule qu'elle fait? Attends, je vais mettre Lamb. Attends, mais je suis en train de taper Lamb. Oh, pardon, attendez, je comprenais pas, j'étais en mode, mais attends, je sais plus ce que je fais avec mes mains ou quoi. Je suis en train d'écrire Lamb, et du coup, ça m'écrit Meat. Celle qui remplace le bail. That's right. Oh, oh, c'est tellement angoissant. Oh, c'est angoissant de ouf, les gars. Ah, ce type de jeu, ça me met mal un peu. Parce qu'il y a un côté très dessin animé.
Oh là 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 là. Et les gars, on a une nouvelle cassette, ça y est, qui est enfin disponible. Celle-ci, je la connais pas. On va la découvrir ensemble, on va voir ce que ça va donner. Il y a écrit tape juste. Donc c'est parti, on balance. Oh mais quelle angoisse! Quelle angoisse, quelle angoisse! You're right! The treasure map said the woods. Let's go! I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? Elle est en mode est-ce que t'es assez Wooly? Huh? Oh, yeah. Right. Elle est en mode est-ce que t'es excité à trouver le trésor? Still don't know where the treasure is, buried. Oh, son comportement, il est tellement pas normal. Our GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? Mais elle est super flippante, sans déconner. Le mouton, tu vois qu'il est complètement ailleurs. En fait, t'as l'impression qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est très particulier. T'as l'impression qu'il se rend complètement compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et elle, elle est complètement dans son univers, possédée ou je ne sais quoi. Et lui, il est juste en mode, il faut que je trouve une solution pour m'en sortir, quoi. C'est très creepy. Et ben, on va faire la croix, les amis. On va faire la croix. There it is. Treasure awaits. Looks like the spot. Oula! Attendez, y'a un truc à pas... Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for... And now, we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? Attends. Deux secondes. Elle a dit, la crowbar, tu peux... Alors attendez, parce que I don't speak English, hein, vous connaissez. Je crois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est ça. Je crois qu'elle a dit, la crowbar, ça sert à, genre, ouvrir une porte. La corde, ça sert à... Et genre là, ça s'est complètement mute, l'image a été saccadée et tout. Donc je pense qu'elle a dit un truc bien glauque. Et après, la pelle pour creuser. Et ben du coup, la pelle, parce qu'il faut que je creuse, faut pas que je démonte une porte. Il n'y a pas de porte, à moins que c'est la corde. Je vais mettre la pelle. Oh, j'ai peur. C'est shovel. The shovel. You're right. Now we can dig this up before someone. Okay, that's enough. Bah. No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. Ça suffit, je peux pas te laisser faire ça. C'est plus possible. You take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever, just get rid of these other things. Prenez la cassette et détruisez-la. Brûlez-la. You can't let anyone. Oh, derrière. Else watch these. Let anyone. On est où là? C'est moi? C'est quoi ça? C'est moi? Attends, il m'a dit de brûler la case, mais il s'est fait bouffer le mouton là. Elle était derrière, en mode exorciste. C'est un feu. Oh, donc c'est nous. On a pris la cassette, on va la brûler comme il nous l'a demandé. Oh, j'ai trop peur. J'ai trop peur qu'il y ait un truc qui se mette à hurler. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, oh là, oh là, je mets quoi là? Oh, on est peut-être en train de se faire posséder pour pas qu'on brûle la cassette. On se possédait par... je vais mettre un démon. Le chétan. Démon. Vous avez entendu? Il y a des trucs qui chuchotent. Attends, je peux mettre quoi? Démon... Qu'est-ce que je mets? Burn? Bah mais ça s'écrit pas comme ça. Il n'y a pas de haine, ça. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, attends, qu'est-ce que je peux mettre à part cramer une cassette? Cramer, destroy peut-être. D-E-S-T-R. Voilà, trop de lettres, Laura, c'est toi, c'est trop tard. Bah, je sais pas quoi mettre. Bah. Oh! Attends, je suis en train de... Je voulais réécrire burn, et là, ça va me marquer watch, en fait, je crois. Oh, mais c'est horrible, ce jeu, parce qu'en fait, t'es pas libre de faire ce que tu souhaites. On te manipule de ouf. Bon, bah... Oh là là.
Donc on n'a pas détruit la cassette. Hello? Yeah, hey. Yeah, no, I found it. Yeah, I found the place. It was just Je crois la cassette. Highway. Yeah, not too far, right? It wasn't that hard. Yeah, no, they're all hold on, what? Was I followed? No, I don't think so. Who'd be following me? No, nobody was there. It was just me. Yeah, no, the tapes are all destroyed too. They're gone. Every single one. Yeah, no problem. Y a quelqu'un. Listen, it's getting late. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll call you when I get back home, okay? Okay, have a good night. I'll talk to you soon. En fait, il est au téléphone. Il est au téléphone, il dit personne ne m'a suivi. Je suis tout seul et il dit qu'il va rentrer à la maison, c'est ça? Oh là 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 là, les problèmes. Mais on l'a détruit. Il y avait un truc qui apparaissait à l'écran. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Si vous avez des déductions, n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y, je vais mettre l'épisode 3. On n'a pas pu brûler la cassette. C'est très intéressant, par contre, on s'incarne nous-mêmes. Oh, le mouton! En bas à droite! Let's go home. Tiens, hop là. Home. Oh, elle s'énerve. Non, j'irai pas à la maison. J'ai dit à la maison! Je peux cliquer sur le mouton? Oh là 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 là, mais t'as tellement... C'est horrible! Mais t'imagines si les dessins animés d'Aura l'exploratrice avaient cette tête-là, sans déconner? Ça serait hyper creepy! Knock on the door. Maintenant, elle... Ouvre la porte... Ah! Elle me demande d'aller à la porte. Attends, je peux aller ailleurs? Ah, la fenêtre! I want to go inside. Non, je refais la fenêtre. Let me in. Bon, bah on va faire la porte, hein, parce que je pense que là, on est un peu... On est un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Non, je pense que là, on peut pas faire demi-tour. Il va falloir faire la porte. Hein. J'ai tenté d'aller à son encontre à chaque fois, mais en fait, elle te redirige automatiquement vers ce qu'elle souhaite. Oh là là. Je mets quoi? Je mets quoi? Watch encore? Non. Non, c'est pas ça. Bah, démon, hein. C'est un démon. Oh! Oh, mais la musique, elle me fume. Comment tu peux être aussi serein et à balancer une musique comme ça après? C'est hyper creepy. Je sais pas s'il y aura d'autres mises à jour de Amanda's The Adventure. Est-ce qu'il existe d'autres jeux en rapport avec Amanda's The Adventure? J'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse, les amis. Et si vous avez vos suppositions. Par contre, moi, je pense à quelque chose. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais je pense à quelque chose. En fait, dans la cassette, qu'on récupère et qu'on essaye de brûler, on s'aperçoit en fait que notre personnage peut pas la brûler. Pour moi, il entend... Enfin... Je sais pas s'il est possédé ou s'il entend quelque chose en fait qui le force à ne pas brûler cette cassette. Mais à la fin, Amanda, elle sonne chez quelqu'un. Et pour moi, elle sonne chez nous. Pour moi, elle sonne chez nous, Amanda. Et la prochaine personne, sa prochaine victime, pour moi, c'est nous, je pense. J'en déduis que c'est nous, puisque après on ramène la cassette à la maison et tout, on sonne à la porte, machin. Donc je déduis que c'est nous. Après, s'il faut, j'ai absolument rien compris à l'histoire et c'est absolument pas ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous laisse ici, les amis. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Je vous dis à ce soir 21h pour un nouveau live, 20h, 22h pour de nouveaux TikTok. Et à demain, 16h pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous tout le monde, prenez soin de vous. Ciao! Ah, et aussi, n'hésitez pas, les amis, si vous avez d'autres jeux à me proposer, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. Je vais checker ça. Ça pourrait faire l'objet de futures séries.